Bonsoir. Bienvenue dans Haïti 58. Invitez-nous à ce soir pour nous aborder l'actualité politique là et garder l'élection aux États-Unis. On va recevoir le parti de présentation, ancien Premier ministre qui sont habitués à Kaila. Evans Paul, bonsoir. Bonsoir, Robinson. C'est avec plaisir de répondre une fois en plus à l'invitation. Je salue les téléspectateurs. Et puis, je vais répondre à une question. Comment nous sommes en forme? Bon, nous ne pouvons pas dire nous en forme. Physiquement, nous en forme. Moralement, nous en forme. Mais nous sommes vraiment préoccupés par l'ambiance générale du pays. Nous. Et nous ne pouvons pas dire ce pays, nous seulement, c'est le monde. Parce que nous avons fait coronavirus là, qui déstabilise la planète là, d'un côté. Et puis, il y a un petit événement, par-ci, par-là, terroriste, qui décapite un professeur en France, acte terroriste, qui fait l'autre côté en Europe, États-Unis, qui presque tombe dans l'ambiance de crise électorale, même genre avec nous en Haïti. Alors, tout ça qui a passé. Vous êtes bien capable de sortir une autre là pour moi, les États-Unis. Il n'est pas fait mon plaisir. Pour respecter la démocratie. Même je connais non, moi-même, je connais que en tant qu'étranger, je n'ai pas faire ingérence sur ce qui a passé de l'autre côté. Et vous dites, vous n'avez pas fait ça ou bien ça? Il ne faut pas suivre le monde sur mauvais chemin. Bon, moi, c'est le message là. Nous maintenant, on le pitié, nous. Nous avons fait ingérence. Nous avons fait un petit commentaire. Oui. Mais nous n'avons pas dit ça pour vous faire. Mais quoi, j'ai fait qu'on y a là. Il y a dit qu'il faut organiser l'élection. Mais où est-ce que nous là pour organiser l'élection? Eh bien, c'est la fontaine. C'est ça la fontaine dédiée à la raison du plus fort et toujours la meilleure. Ouais. Malheureusement. Nous parlons dans plusieurs points là. Comment qui tiquent de temps en temps? On prend un ministre court. L'on fait un premier ministre. Soit fait. Ou retourner dans la vie politique, ou c'était artiste, ou retourner dans l'activité professionnelle, ou. Eh bien, ou à conseiller président. Moi-même, je ne suis pas en chômage. C'est-à-dire, je suis toujours occupé de temps, pas une activité quelconque. Il y a des choses que je ne connais, des choses que je ne connais pas. Parce qu'il y a les activités de coulisses. Quel que soit, pas oublier, ton acteur de théâtre, metteur en scène, avant pièce de théâtre sortie, il faut faire répétition, il faut écrire pièce là, etc. Vous continuez à écrire toujours? Préparer acteur, oui, de temps en temps. Et puis, dans la politique, là, tout. Dans la politique, là, il y a des réflexions de coulisses, etc. Soit puis qu'on lit, il faut penser, etc. Jour le sorti, je ne sais pas ça le préparer. Je ne suis pas jamais conseiller officiel de personne dans la vie. Et moi, c'est un monde qui occupait deux fonctions officielles. Moi, j'étais magistrat à Port-au-Prince, et puis, moi, j'étais premier ministre. Je ne suis pas jamais joué un rôle, et je suis capable de dire, et rationnel, je suis conseiller, je suis pour m'aller. Moi, je rends service de temps en temps. Depuis des années, moi, toujours, joue un rôle proactif, suivant les circonstances, soit au commencement, avec le président Aristide, René Préval, nous avons une relation dans le ciel avec lui. Tantôt dans l'opposition, mais. Tantôt bien, tantôt fâché. Non, même si dans l'opposition, nous avons toujours des amis. Okay. Et c'est une particularité relation avec le président Préval. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et publiquement, moi dénoncé lui. Mais chaque 2 janvier, je suis après lui pour dire bonne fête. Et moi-même, chaque 17 janvier, je suis après lui pour me dire bonne fête. Lui-même, dit bonne année, moi pour me dire bon anniversaire. Nous avons une relation amicale parce que nous sommes militants. Ouais. Lui était en prison en 1989, sous avril, nous avons fait prisonnier la Toussaint. L'ancien président Préval a fait grève de la faim pour moi. Je ne vais pas oublier ça. Tant que le président Aristide, tout, il était père, il n'a pas fait grève de l'affaire, mais il était joué un rôle très actif dans la coordonnée d'activité. Maman m'a fait grève de l'affaire, petite, m'a fait grève de l'affaire, tout le monde, société, journaliste, intellectuel, t'a fait pression sur le régime militaire là, mais il y a des liens qui étaient tissés, que nous ne pouvons pas aller au matin, parce que je dis, à nous avons une différence politique, et puis nous fâchons, nous pas dit bonjour, nous avons ennemi à l'autre. Pas comme ça. Ou si t'es préval, même si des fois politiquement nous pas t'entendre nous, mais nous avons une relation plutôt correcte. Okay. Relation amicale. Ou c'est préval ou si t'es Aristide? C'est plus difficile avec le président Aristide. C'est pas le même caractère. C'est pas le même caractère. Aristide depuis le fâché, le fâché. Moi, désolé. C'est pas le même caractère. C'est pas le même caractère. Aristide fâché, fâché depuis longtemps, fâché depuis 10. Je pas courir, dit le président. Je ne pas demander, seulement dit, c'est pas le même monde. C'est okay. Pas le même monde. Mais n'empêche que M. Aristide, son monde très cordial. Monsieur là, son père, il a convaincu. Monsieur a converti, vous comprenez? Mais n'empêche que c'est une personnalité difficile. Chaque monde gagne un caractère. Et moi, je ne suis pas venu là pour faire jugement. Je suis capable de dire, et
dernière fois, je parlais avec un président Aristide, c'était en janvier 2004. Oh! Oui, c'était dans l'annonciature apostolique. Le ça. Oui, le ça, c'était moi avec Serge Gilles, nous étions en opposition anti-Aristide, même te ouvrons fenêtre de dialogue. Ça fait que je dis à l'aime, ouais, mon opposition a fait dialogue, a critiqué, pas rien de sorcier de faire un bail de dialogue. Sauf l'aime premier ministre, le ministre de justice là, qui était sous direction moi, moi le commissaire gouvernement, je m'a dit non, bail. Nous avons de temps en temps après le monsieur Aristide venir dans le parquet pour l'expliquer de qui prévient. Mm-hmm. Pendant là, s'il vous plaît, campez par ça. Si monsieur a pas posé un acte, nous sommes capables de dire de flagrant délit. Mm-hmm. Et puis pour nous arrêter parce que tout le monde. Pendant là, s'il vous plaît. Avec pas son départ, pour ne pas te faire payer à l'amour. Non, pas de blé. Semblons au monde. Qui pour aller dans la rivalité politique, dans la confrontation, pour aller dans la persécution, etc. C'est-à-dire que si il y a un fondement, moi, je dis surtout au monde, il y a un flagrant délit, il n'y a pas arrêté. Mais si c'est des dossiers à enterrer, je devine un petit temps pour me faire une élection. Qui t'a fait titre dans le calme? Pas besoin d'entrer dans la nuit, dans la nuit de la politique, ou dans l'autre couleur. Même si on a dit c'est la justice qui a fait travailler, il y a toujours, même le premier ministre, il y a toujours pensé que Gomba a pris son ancien bagarre au Tega, monsieur. C'est ça, me relève beaucoup de loi. Éviter toute zone de turbulence qui t'a mis des problèmes. Et bien content, pendant que je dis là, pas de gagner. Qui était arrivé, personne, monde, la classe politique, la opposition, la société civile, nous avons pris en pile précaution pour ça. On regarde justement dans le contexte nous là, lorsque vous-même vous êtes Premier ministre, vous avez un petit apparent, puisque le gouvernement pour là, c'est ça justement le devine fait. Oui. Mettez un petit accalmi pour permettre la transition, hein, t'es fait vers Brivère et les élections. Si vous êtes dans la situation, je vous dis là, comme Premier ministre, avec un pays qui gangstérisé, pas bon. Côté sous territoire là, actuellement on parle là pour capable dire que ou à l'abri de gang. Même petit côté que t'es pirécu, il est longtemps, Lièvre, et c'est du nord, qu'on ne peut pas parler, ou attendre ça, gang a fait qu'on est là, son bagage est terrible. Comment t'as géré ça en tant que chef CSPN, chef du gouvernement? Je pense que l'État proactif. L'État n'a pas arrêté pour la réagir, pour la défensive, pour l'attendre chaque lomba est passé, pour faire un tweet, pour faire des condamnations de principe. Condamnation de principe, c'est pour les gens qui sont société civile, journalistes, opposants, mais le gouvernement doit agir. Puisque on n'est pas capable de gérer. Attendez, le président, le premier ministre, il n'a pas fait tweet? Pas dit, il n'a pas fait tweet. Tweet là, c'est un moyen de communication, mais il n'a pas ça seulement. Il a fait tweet là tout. Okay. Mais il faut qu'il fait l'autre travail. Là, parce que communication dynamique là, tweet là-dedans. Mm. Et pas seul président qui fait tweet. Oui. Mais. Et anticipation, l'irrité, nous sommes capables de dire méthode de gouvernance et qui est capable d'aider ou protéger la société. Et nous avons des gens qui font kidnapping dans la zone Grand Ravine, ils parlent dans la radio, ils disent qu'ils font. Quand la technologie permet de situer côté de nous. Tandis qu'un chef de gang dans la Tibonite, qui a simé la terre, qui saisit machine, ambulance, machine officielle, machine non gamba et comme ça, il y a un peu, on connaît qui côté lié. Un autre, bon, qui est tellement extraordinaire, l'arrêté moun mené par la police. Alors, là, on est dans cette situation, il faut demander pour qui ça, police là, pas réagir, ou pour ça, pas agir. Je vais corriger ça, me dire. Parce que la police n'a pas le droit. Réagir, il faut qu'il agit. Il faut l'anticiper sur l'action. C'est anticiper parce que si il y a des gens qui sont là, qui connaissent les gens, lui-même, c'est faire des stabilisations, c'est faire des ordres, c'est terroriser les gens, et bien, ils sont source de problèmes, ils sont source de violence. C'est un élément nuisible. À ce moment, il faut la police la stopper. D'ailleurs, mon stopper, c'est dans la police là, je prends. Oui, oui. Et je connais des gens qui stopper mon. Oui. Alors, je pense que. Pourquoi les gens disent stopper dans la police, c'est tuer? Moi, je ne vais pas faire ça. Parce que la police, pas qu'elle doit tuer. Non, son code. Mais elle est capable de stopper. Stopper, il y a des cas de légitime défense ou stopper au monde. Si mon a un tuyau, etc. Mais il y a une méthode pour le faire tout. Alors, je pense que il y a un problème de désorganisation. Dans la police là, qu'on bonne rivalité, qu'on bonne contradiction dans la police là,
Non, mais est-ce qu'on pense que la police a pour qu'on te parle sans que Maestro, qui est président de la République, là, qui, selon des constats et selon des critiques, livré Québec, on met sous toute institution, yo, notamment la police. Est-ce qu'on pense pas qu'il y a une main politique là, qui empêche la police à agir, Jean qu'elle doit agir, l'aide considérée tout, gang yo, fédération gang yo, G9, yo considéré li comme yon groupe armé qui proche pouvoir. Et non pas yon fait, ou y a critiqué à Boulet Rouge, sous opposition, attaqué des moun qui dans opposition. Ça qui laisse comprendre effectivement vrai, il a fait travail pouvoir. Ou pensez que la police a libre de mouvement, dépendamment de position président? Je ne vais pas une leçon là. Même qu'on est que responsabilité gon Jean Gérel. L'autre responsabilité principale, faut gagner une attitude d'arbitre. Faut procéder par l'arbitrage. Et si ou même c'est ou devant ou qui fait premier pas ou pas gain recul pour faire arbitrage là. Dans ti rôle de faire comme premier ministre là, on était procédé par délégation. Du chef de la police, ministre de la justice, commissaire gouvernement, la loi ban nous rôle nous. L'aile dépasse nous, moi-même m'a entré en scène. Nous avons un rôle, nous fait travail. Nous n'avons pas gagné pour me relayer mini-justice, pour me relayer la police, pour me dire l'arrêter bandit. C'est le rôle pour l'arrêter bandit. C'est l'aile pas arrêter bandit. Je m'a demandé pour qui ça va arrêter bandit. Ni m'a pas dit tout qui j'en pour l'arrêter bandit. Bon manifestation qu'a fait, et bien dit que rôle, c'est sécuriser manifestation. Mon cap fait manifestation, gain doit faire pour entrer la caillou tranquillement. Mais c'est protéger citoyens dans la rue à tout, pas boule à faire, bah comme ça. Pour l'autre monde qui a circulé, vaquer à occupation. Alors, problème qui gagne aujourd'hui, il y a beaucoup de président Jovenel Moïse et si gagne pas leçon, pas grand pas leçon. Si tu as un petit commentaire m'ta fait sur ce comportement là, il pas quitté place pour jouer rôle arbitre là. Les trois devant scène et les trois a essayé gérer tout détail et à ce moment-là les on doit essayer gérer les voulait accaparer de tout pouvoir voulait contrôler voulait dire moi accaparer ou qu'on joue football gon défenseur les libéraux monsieur là les latéraux yo raté intervention yo ou bien les stoppers raté pour lui même pour le faire et dernière intervention. Eh bien, si on monde qu'on regarde football là ouais gens l'organiser, eh ben politique là c'est même genre. Ou grand président ou grand premier ministre. Tout pas capable sous même ligne, tout pas capable de mener même action. Il y a des fois que des bagages qui passaient ouais chef la police, bail même réaction, ministre bail même réaction, premier ministre bail même réaction, président bail même réaction. Et ouais là grand problème d'organisation, grand problème de méthode. Et m'a dit que c'est pas mauvaise foi. Parce qu'il y a une différence pour nous faire entre ce qu'on a qualifié de mauvaise foi et de mauvais choix. Et ceci, que c'est dans l'opposition, que c'est dans le pouvoir, moins jouer la même attitude. Là. Ouais, il ne faut pas que le temps ne parle, je réfléchi, je analysé, je évalué la situation. Je ne vais pas entrer dans la politique, je ne vais pas monde, parce que c'est plus facile pour vilipender les gens, tel pas bon, tel ceci. Je vais regarder, sacrifions l'autre. Qui ça pour m'ta faire pour pas arriver? M'ont entendu un monde dans Magique 9 voyant fleur. Et puis m'tendé monsieur tout. Moi bah la mal passé, me dit ah, faut me faire attention. Je sais moi qui a parlé pour me pas voir même fleur à tout. Même pas pour le monter, me dit monsieur un crétin, monsieur pas bon la nuit. Ça qui arrivé. Ils font un dérapage qui arrivé tout le monde, c'est humain. Ça veut dire président pas quitter espace pour le grand fusible. Pas oublier que pas un côté voilà prendre président. Et pas oublier que monsieur Jovenel Moïse c'est premier rôle politique lui c'est président il pas déjà il presque 4 ans il pas déjà dans l'état avant et puis il est entré non c'est pas mon système il est tellement galvaudé il pas utilisé non mais l'entrée non circuit pour pas du système non côté bagaille pas tellement bien organisé etc. Et côté lui-même il est tellement ouais gain bagaille pour faire tellement ouais gain bagaille qui manque fait ou bien qui mal fait selon lui-même l'a essayé boucher tout. La PCI est présent sur tout front en même temps. Et à ce moment qu'on y a, il vient un fatigué avec toute bonne volonté qui paraît inefficace. Je prends un exemple. Qu'est-ce que ce problème pour promesse électricité? Monsieur le Président, pour précaution, il quitte le dossier à gérer par le ministre des Travaux publics ou bien le directeur de l'EDH. Le directeur de l'EDH a dit, bon, nous-mêmes dans la politique, nous ne pouvons pas le courant 24/24. Si ça n'a pas marché, il a retiré le directeur.
Assemblée des directeurs, quelque chose, parce que conseil de rôle, c'est fusibouillé, pour protéger chef principal. C'est comme ça le passé. Mais là, c'est chef principal là, qui court, il dit. C'est ça qu'il faut, ouais, c'est pas tous les libéraux qui courent à le devant le bail-gol. Et même là, il y a un coup de tête, il est obligé de quitter ton nez derrière pour payer pour eux. Oui. Oui. Et pensez que ça prenne pour apprendre, pour que l'erreur président Jovenel Moïse a fait aujourd'hui, pour que l'autre monde qui vient président pas fait même erreur. En garder les pour nous, qui côté faute la sortie, parce que son problème de faille de gouvernance, il y a une conséquence. Et sous lui d'abord, et puis sous ensemble pays. Maintenant, bon, je vais vous poser l'autre question. Ou même que CSPN, chef CSPN, comment vous avez géré le dossier ça? Vous mettez à vie de recherche contre un citoyen qui font un crime terrible, toute société a tête en bas, après l'assassinat d'Evelyne Sincère, petite jeune fille à 22 ans, fait que vous faites un examen philo, ou est-ce que vous mettez la société a tête en bas? Vous mettez à vie de recherche d'ailleurs, c'était Obed Joseph, et vous regardez pour vous. Qui est-ce qui monte sur les réseaux sociaux qui se déprend? C'est au monde, ou même personnellement, tant que chef CSP, nous connaissons qui ont envie de recherche contre lui, de parler de Jimmy Cherizier Barbecue, qui dit qu'il a gagné, il a arrêté, il a marré le bras derrière, il a porté le bain au commissariat. Le deuxième matin, comment tu as sorti en tant que chef CSP? Comment tu as sorti dans le dossier ça? Si tu as parlé du directeur général et que le directeur général de la police nationale là et que Ougel dans le CSPN là. Comment tu as sorti dans le bagage ça, chef CSPN? Chef pas existé sans structure. Ou gen doit chef pour porter nos chefs là, mais ce n'est pas un levier. Si je suis dans une machine, la batterie machine n'est pas bon, mettre bon chauffeur comme j'aime des bons chauffeurs, la machine n'est pas déplacée. Et même si je me fais pousser, les papes, j'aime bâti, même s'il y a un clutch. Alors, et c'est même question par anticipation. Et est-ce que nous mesurons la capacité? Et lorsque vous lancez un avis de recherche pour Jimmy Cherizier, il semble une parole. Parce que, ou cherchons mon pas ouais, ou cherchons mon pas qu'on est côté lié. Mais comme tout le monde connaît qui côté lié, et lui-même tout le pas caché, de temps en temps, il fait apparition, soit sous belle, etc. Il y a un quartier, c'est là fonctionner, il y a sur les réseaux sociaux, et actuellement, avec la technologie, qui a repéré ça, mon a fait dans le téléphone, son monde qui cap vivre avec tout le monde, il peut être des précautions qu'il prend. Je pense que à vie de recherche là, peut-être pas de même lancer. Pas de même lancer pour ne pas sembler en démagogie. Pour ne pas sembler en démagogie. Que ce soit capable de faire opération pour arrêter, ou bien on ne peut pas dire rien. Parce que on vient passer au ridicule. C'est un coup de dire là, moi fond pour mettre là et dans l'émission, mais c'est dans la tête point de sortir. Je ne vais pas réfléchir l'avant. Et puis après ça, je vais retrouver mon dilemme, je vais le prisonnier dont promesse moi fait que je ne vais pas respecter. Non, pas dire non. Maintenant, là, parce que le pays a senti que c'est un petit comique qui a fait là. On est qui a envie de rechercher d'elle, qui a parlé de ton autre qui a envie de rechercher d'elle, qui prend le poté, le bail de la police dans la main, alors que c'est lui-même qui mène elle. C'est espérant d'être en bas. Qui s'en va le dire avec la police? Qui s'en va le dire avec le directeur général de la police? Eh bien, qui te me font titan? Parce que je ne peux pas vous dire un bagage qui t'a semblé, m'a passé pour le ministre qui l'a l'ordre, je ne peux pas dire ça. Entendre. Non, ça ne veut pas parler. Non, pas parler. Ça m'a dit, il y a un impact qu'on attendait, ça m'a dit. Je pense entendre. Entendre réaction autorité, même penser pour aller gagner une réaction. Mais au-delà de réaction autorité, on analyse nos cafés. On va y, même si. Pas un spécialiste de l'armée, mais il y a des bagages de bon sens. Il y a écrit l'inégalité des forces. Et on a parlé hier soir, je n'ai pas fini de maîtriser ça, je dis là, et je connais que M. Cherizier présenté au monde dans la télévision, il dit que c'est Mounsa qui présume assassin, et que l'a promette à la police. Et moi, je suis sur les réseaux sociaux que je remets à sous-commissariat à Port-au-Saint-Joseph et que il y a des gens qui disent que c'est lui-même personne qui est allé. Mais ça, je ne pas vérifier l'aspect. Oui, nous avons des voiles dans la vidéo. Si vous dites que nous sommes journalistes crédibles, je ne vais pas mettre la vidéo. Maintenant, le principe de l'inégalité des forces capable de faire que les policiers qui sont là évaluent. Il n'y a pas assez de force pour arrêter monsieur par rapport à ça le représenté, parce que monsieur n'a pas débattu en bas comme ça. À ce moment, on a une autre question pour poser. C'est sur le fonctionnement de la police. Parce que la police, là, son corps,
li supposé qu'un système de communication même gen des codes qui t'a capable faire gon intervention rapide qui pour faire boucler zone là parce que c'est question m'a posé et l'aime suivre ça qui a passé m'a plié entre les lignes même suspect que policier dans ce commissariat portail Saint-Joseph là pas trop veut qu'un monsieur parce que il a posé question puis gars pour monsieur là et puis après ça il vient pour monsieur dans main yo et puis surtout il pas veut prendre la rue pour amener monsieur dans commissariat Port-au-Prince. Et l'ironie du sort semblait monsieur fait toute nuit là par aucune l'autre unité qui vient prendre pour mener l'autre côté qui offre plus sécurité. Ça veut dire que nous avons une situation de débandade et au niveau de la gestion de forces publiques qui demandait pour nous prendre avec un pile sens de responsabilité, un pile dépassement, mais surtout pour nous considérer ça comme un défi. L'IPACA était responsable si nous pas organiser force publique principale là qui c'est la police là, eh bien pita capable pitris. En garde de l'autre prétend alors souligner le fait que le président voulait boucher trou les sous les fonds, il vient paraître fatigué et action lieu inefficace. Est-ce que c'est même fatigue ça qui fait que là le mettait une espèce de CEP campé là côté que CEP c'est pratiquement celle lui même avec pas connait non c'est celle lui-même qui connait qui est limité là donné et il pas gagné yon entre politique qui vient sur lui du coup je veux dire là CEP a monté depuis 18 septembre pas même ça l'a réglé il est installé comme yo dit mettait quoi pour lui dans budget c'est même fatigue ça qui fait président pratiquement apparaître avec yon CEP là li a péché avec alors fatigue là faut mettre un bémol sur mot fatigue là. Sous président, il faut fatiguer. Parce que le président n'a pas l'heure pour travailler. Mais, il y a, capable de dire, l'économie de la force. On est capable de chercher, utiliser force pour être plus efficace dans sa affaire. Là encore, c'est méthode de travail. Là. Le président assume tout le bagage lui-même d'abord. Et pas rien qu'empêcher que c'était le ministre de la Justice et qui c'est ministre de tutelle conseil électoral là. Ou bien premier ministre là et qui t'a fait opération hein, et puis s'il passait mal le président vient corriger c'est question arbitrage là président pas prendre recul pour le faire arbitrage là parce que moi tant dans pile critique qui fait sous CEPA et critique est fondée parce que pas gain concertation pas gain accord politique pas aucun monde tête droite qui pourrait le dire CEPA bien monté qui pourrait le dire CEPA gain capacité pour ta faire une élection crédible cependant faut faire une différence. Entre gens qui peuvent monter avec les gens qui sont dans le lieu, ils sont dans le lieu vilipendé. Les gens, ce sont des citoyens. Et il y a des gens qui connaissent un parcours respectable, etc., qui ont trouvé là, par contre, dans quelles circonstances. Il y a tout qui est issu de certaines organisations, qui sont souterrains, etc. Il ne faut pas craser tout le bagage. Non, mais est-ce que les citoyens, M. Paul, pas justement mettre tête dans la situation pour apprendre toute frappe, ça, après toute critique, ça apprend. Lorsque vous connaissez, vous entrez dans une institution qui pratiquement inconstitutionnelle, qui viole les constitutions. Parce que vous peut-être capable de monter comme conseil électoral pour organiser l'élection, mais pas pour faire un référendum pour changer la constitution. C'est inédit. Alors, toute question, ça, c'est problème concertation. Et moi-même, je crois que côté l'élite, élection, opposition, transition, cohabitation, constitution, ou pas capable d'engager dans l'émotion ni dans la confrontation. Il faut toujours privilégier la concertation capable de faire nous jouer une solution. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que nous avons une grave crise. Côté que ou pas capable de dire que c'est la Constitution qui a appliqué. Mais c'est la loi qui a appliqué. Lors de la crise de société, on est obligé tout le temps à chercher consensus. Parce que si on a marché bien, pas chercher consensus, c'est appliquer la loi. Et la loi, elle l'appliquer, c'est envers contre tous. Majorité ou minorité, ou faire qui pas bon, appliquer la loi contre tous. Mais nous-mêmes, nous avons un problème consensus. Et bien, c'est ça que choix. Si nous parlons dans condition idéale pour que la constitution, les institutions pardon, fonctionnent et que c'est la loi qui peut appliquer, faudrait-il de ça ou chercher consensus là. Le problème, c'est parce que consensus là pas chercher gens pour le chercher et que citoyen ça yo, du tout dans cadre là. Oui, on dit pas assez. On dit pas assez dans le sens de manière très défavorable. Et je dis 80-20,
ou bien 80, 90. Pour qui ça? C'est parce que je ne veux pas ignorer les gens qui l'ont donné. Les gens qui l'ont donné, quand même, ce sont des citoyens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et je vais attendre des émissions avec Artisio Matéen. Même les gens pas d'accord avec les gens, parlons de l'image pour nous considérer l'existence. Je ne veux pas dire qu'il y a un consensus du tout. Mm-hmm. Pas un consensus suffisant. Pas un consensus acceptable. Pas gagner consensus de rassemblement. Par un consensus apaisant. Okay. Nous sommes capables de faire toute qualité qualificatif. Monsieur le Premier ministre, oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que c'est ça, je le monte à, avec manque de consensus, crédibilité que le paguen, confiance que le paguen, ou pensez que c'est ça capable d'organiser l'élection Calvin Dao, qui c'est pratiquement l'élection générale qui va le gagner, fort remplacer le président, deux tiers dans le Sénat, chambre députée, collectivité territoriale. Vous pensez que c'est ça capable d'organiser l'élection, sans que le paguen d'élection, on va utiliser propre mot pour un grain de soulier, avec mon qui remène seulement? Toilette. Toilette, non. Non. Il n'est pas capable d'organiser l'élection. Non, il est clair, il n'est pas capable. Il est clair, il n'est pas capable. Mais qui j'en vois le faire? Pour le faire fort, pour se faire l'élection, il faut d'abord il y ait confiance population. Il faut que le parti politique soit d'accord avec lui. Ils sont institutions, on est capable de dire transversales. Ils vont travailler parti politique, société civile, la presse, etc., la communauté internationale. Non, c'est pas ça. Pas capable. Mais même pendant le pas capable, là, je ne veux pas le vilipender les gens qui l'ont donné. Parce que nous avons besoin de l'autre bagaille. Oui. Nous avons besoin de l'autre CEP. Non, c'est haïtien, oui. Mais, oui, oui, je ne suis pas d'accord pour craser les gens. Alors, mais CEP, ça, j'en le fait là. Moi, j'ai une chance de parler à la présidente. Je ne vais pas parler dans la radio quelque temps. M'exprimer des accords sous Jean CEP, fait là. Je comprends volonté, je comprends bonne foi, mais choix pas bon. Alors, je dis, M. Sagan, qui nous dit ça, qu'il ne va pas parler dans le CEP, ça? Non. Par la présidente et nous pas toujours d'accord. Nous pas toujours d'accord. Il y a des gens qui disent en public que c'est là. Mm-hmm. Nous ne sommes pas jamais mis à belle pour ça. Oui. Nous avons des accords. Vous m'avez dit là, le pape, j'oublie. Nous avons fait longtemps, nous ne pouvons pas parler. Mm-hmm. Mais moi, je n'ai pas choisi un ennemi en politique. Nous avons des accords. Mais il faut nous parler. L'on parle avec le CEP, on dit que le CEP, ça pas bon. Nous ne pouvons pas parler de ça seulement. Et il n'a pas montré que le choqué, parce que c'est ça. Il montre que le conscient. Grand problème. Elle montre un petit l'état éventuellement ouvert pour une solution plus acceptable. C'est solution avantage. Comme tu dis ouvert pour changer CEP ça? Non, pas porte-parole président. Pas pour l'anticiper. On a connu son monde qui très prudent. Pas pour l'annoncer. Ça président. Pas porte-parole, pas conseiller. Ma baille opinion pas moi. OK. Mais évaluation. Moi réceptif. OK. Réceptif à l'idée pour ta gagner une négociation. Côté CEP à sous table à tout, ça c'est une opinion, son évaluation. Je ne sais pas où monde qui dit, ah, me fait le net. Non, 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 monsieur. Moi, c'est un monde qui dit, ah, capé, mon cher, bon, et tout le monde, il y a son table. Vous comprenez? Vous comprenez? Il n'y a pas de désavoué, peut-être, vous dites, ah, je ne reconnais pas bon du tout. Mais il n'y a pas dit, il est très bon tout. Mais vous connaissez CEP à son table, négociation, ça, son bail est très. Comme tu as dit ça là, qui n'a pas aucun poids parce que c'est passé et puis il a parlé là. C'est le mandat, il a parlé pour qu'il finisse cette février 2021. Ah, il a parlé de mandat depuis longtemps. Oh. Il n'a pas fait qu'à parler de mandat. Oui. Et moi, je dis que. Vous avez véritablement commencé à parler de mandat cette février 2021. M'sou... C'est après le film voué, oui, c'est le 13 janvier 2020. Alors, qui t'aime dire? Moi-même, moi, je t'aime dire, le président a un problème et arbitrage là. Léon Tijan. Il y a des fois trois devant scène, il n'y a pas quitté l'espace pour jouer à l'arbitrage. Opposition, bon côté, pas qu'on mesure victoire. Parce que chaque monde a une limite sur ce qu'il a fait. Ou en premier lock là, lock qui était fait en février 2019 là, opposition a obtenu que le mandat du président Jovenel Moïse écouté. Moi-même, je suis content d'être capable de jouer ça, le ça. Mais comme. C'est une attitude jusqu'au bout. Si ça allait pour l'aller, sans qu'on pas tout le monde pour faire l'aller, ou pas même capable de bénéficier d'une petite victoire. Dès qu'on travaille avec le professeur Gérard Pierre Charles dans le cadre de convergence démocratique, j'ai toujours gagné la théorie des petits pas. La théorie des petits pas, on va que les chemins découpés, mais on se qu'on a en dehors. Mm-hmm. On route bien longue au café, et puis on va passer dans l'orage, etc. Mais fort capable d'évaluer force. Pour qu'on ait qui côté qui arrive, qui côté pas qui arrive. Et nous avons fait parallèle par rapport à l'élection dominicaine, ah, pardon, l'élection américaine. L'élection américaine,
ou après que grande opposition farouche entre démocrates et Donald Trump, yo essayer yo impeachment, ça va marcher, yo brancher mes élections. Parce que mesure force yo. Yo dit ah, bah ça a plan ça a pas marché, on prend l'autre plan qui plus réaliste là. Nous voilà devant peuple là. Et là yo presque gagné bataille, on va dire gagné parce qu'il y a ambiguïté jusqu'à présent, yo presque gagné bataille. Je pense que gagne bagaille opposition était capable obtenu, par exemple opposition était capable obtenu, il gon meilleur c'est conseil électoral. Un conseil électoral peut-être qui est capable au-dessus de la mêlée. Parce que nous n'avons pas besoin d'un conseil électoral partisan, ni choisi par le président de manière unilatérale, ni choisi par l'opposition. Nous avons besoin d'un conseil électoral qui a des personnalités. Bon, l'opposition a une capacité pour te influencer pour nous conseiller, puis je veux dire, pas taper dans sa ligne. Et le président Jovenel Moïse t'a obligé d'obtempérer parce qu'il était en faiblesse. Donc, Premier ministre, si vous comprenez bien, à partir de janvier, février 2019, si ce n'est pas intransigeance opposition, hein, il y a peut-être un président qui a cédé en partie de mandat là pour que la question. Mais quoi ça? Laisse la question à l'ordre du jour et laisse la présidente est sensible à ça. À un moment déterminé. Président, je me suis sincère à ça. Pas dit sincère, sensible. Oui, oui, vous en avez même dit sincère. Moi-même. Ça, non. Jacques Mouéva a même placé, non? Absolument pas. Sensible, on ne va pas le dire sincère. Absolument. Il y a une non situation quand on me dit ah, je vais là, elle a tombé perdu tout, puis on va me sauver. Mais pas parce que je vais me sauver du tout. Oui. Non situation moins sensible à l'idée bah émotion là ou bien comme bah émotion qui sont piqués pour les ou piqués là pour lever l'autre bord. Bon, ça c'est le président Préval qui te dit ça à faire nager pour sortir. Mais politique là c'est à la fois un jeu d'intérêt et il faut qu'on jongle tout avec les conjonctures et puis il faut qu'on ait tout la dynamique des contradictions internes. Mm-hmm. Parce que ce que l'opposition doit connaître, c'est un lieu d'intense contradiction interne. C'est-à-dire que plein de contradictions internes, c'est ça qui fait force et ça qui fait faiblesse. Mm. Le gouvernement a une différence parce que c'est une autorité principale. Et force gouvernement a de chita sous mode d'organisation et de fonctionnement, à savoir le principe de l'arbitrage des autorités. Alors, nous faisons des mauvais choix, du côté opposition, des mauvais choix, du côté... Ça veut dire bataille la partie sous des principes non conventionnels qui pourraient bailler des crises que la société a pour le payer cher. On regarde l'autre point dans le chantier président que la milité a pile voulu, qui c'est changement de constitution. Et nous, elle voulait passer d'abord par un référendum, limiter un conseil consultatif indépendant, entre guillemets, mais à vous poser une question, vous pensez que le conseil est capable d'indépendant, vous voyez? Monsieur le président, mettez le campéa, conseil consultatif indépendant pour réforme constitution. Le mot indépendant, ça va nous toujours poser peut-être nos questions. Indépendant par rapport à quoi? C'est pour l'audience institution indépendante. Indépendante par rapport à quoi? Indépendante par rapport à président ou bien par rapport à peuple. Et d'ailleurs, c'est des concepts pour nous faire très attention, là, on a pu utiliser. Parce que l'État fait constitution 87 là, nous fait lier avec l'esprit président, c'est synonyme de Duvalier. C'est ça qui fait le paquet de problèmes là-dedans, parce que ombre Duvalier, l'ombrage Duvalier, fantôme Duvalier était devant le monde qui a écrit constitution, parce qu'il était fait sortir dans la dictature. C'est ça qui fait nous créer un bon bail, nous Léo, indépendant. Toute indépendance est relative. Parce que moi-même, je ne suis pas capable de dire, moi, indépendant. Nous avons une opinion sur une question, nous avons une limite qui arrive à un monde. Même pas capable de dire totalement indépendant, ça n'a pas de sens. Un président, si le président, lycée haïtien, alors il n'a pas l'idée de lui faire passer dans la Constitution. Mais c'est normal tout. Tu es capable de bouler avec Clooney? Moi, je suis plutôt dit équilibré. Je suis plutôt dit équilibré, ça veut dire que l'autre a influence, l'autre monde a influence tout. Et puis, il y a un côté de faire arbitrage. Là. Parce qu'on ne peut pas empêcher. Mais c'est justement ça. Influence. C'est l'hypocrite qui est dans la constitution. Moi-même, Gombagaï l'a dit, et je pensais que je t'ai sauté sur ça. Premièrement, je ne suis pas candidat. Deuxièmement, je ne peux pas chercher avantage sous constitution qui pourrait le faire. Là. Mm-hmm. On connaît le prochain discours président t'a fait, je souhaité lui dévoiler l'idée sous constitution. Moi-même, j'ai l'idée sous constitution.
Je suis l'idée de souligner. Pourquoi vous avez l'idée de la constitution? Parce que le président a des points. Non, il y a des problèmes. Il y a des bagages, il dit, il n'y a pas besoin de dire. Le président n'a pas besoin de dire. Donc, il dit, c'est un outil de corruption. Il y a des gens qui disent, il joue le constituant. D'ailleurs, dans le constituant, il y a des gens qui ont 60% qui ont été élus. Et puis, il y a 20% qui ont été choisis. Ou te gen des moun tant que docteur wa, te gen des moun très respectable qui était là dans les que m'pa pral di c'était des corrompus. Ou bien, et m'pa di le comme ça. Et n'empêche que y a des problèmes dans la constitution. Par exemple, et m'pa d'accord avec la position de l'ambassade américaine qui dit faut faire élection avant ranger la constitution. Parce que c'est pas la constitution qui fait problème, yo. Mais il est vrai que la constitution li on source d'une série de problèmes dans la gouvernance pays a côté que gon bon monde qui en place qui élu et puis c'est goumé al goumé ou gen phénomène cartel là ou ka fè enquête à travers pays a pour voir qui côté gon cartel magistrat cartel kazek que toi moun yo entendu yo mais ça principal là c'est lui même qui seul qu'on chanter ou pour aller au niveau des communes. Constitution dit que un commune est autonome, la commune. Mais commune a une section communale là-dedans que Kazek l'a élu. Et bien maintenant l'élu a pensé que les autorités section côté lié. Et bien maintenant qui pouvoir réel que magistrat capable exercer sous yo. Alors où gain ça? Où gain au niveau du parlement? Côté pour une loi sortie, son bagage compliqué. Il faut le voter dans le même terme. Dans tous les dimanches. C'est perdre du temps. Nous ne pouvons pas faire un pays. Nous avons deux chambres. Nous avons le Sénat. Tous les deux, c'est la même fonction. Nous avons une bonne contradiction. Tout le monde est en développement. Magistrat est en développement. Kazek est en développement. Député est en développement. Sénateur. Président est en développement. Pour écouter notre sortie, faudrait-il que nous bien compartimenter le rôle. Alors, il y a une bande de problèmes. Qui, par exemple, question pour nous faire élection chaque deux ans pour renouveler le tiers Sénat. Nous n'avons pas de capacité pour nous faire tout ça. Ce sont des. Je ne pas dire que c'est eux qui font pays dans la crise tout le temps, non? Mais c'est somme de. Oui, mais je pense que c'est vrai, faut me poser. Mais en même temps, tout, pas qu'un individu, à lui-même seul, même si le président de la République, qui est capable de porter ça sous dole. Et le président Jovenel n'a pas dit la porter sous dole tout. Mais maintenant, comme il n'y a pas de cadre légal. Pour faire l'IA, faudrait-il que nous joignions une formule qui est en nous, un consensus qui est capable de dire acceptable. Okay. Maintenant, vous êtes clair sur l'élection avec CEPSA, par exemple, de Tsouli, nous n'avons pas organisé l'élection, mais en même temps, est-ce que vous êtes président capable de faire changement de constitution, ça n'a pas l'IA avec conseil consultatif limité, ou bien changement de constitution tout court pendant ce mandat-là? Il n'y a pas qu'à faire pour contre lui. Il n'y a pas qu'à faire pour contrôler. Il faut qu'on soit consultatif là, capable d'aider le rallier l'autre monde. Et maintenant, des discours du président Boniface Alexandre, qui sont respectables, et il dit que le travail n'est pas capable de réaliser sans collaboration, sans aide du peuple haïtien. Et là, il dit peuple haïtien, je pense qu'il a parlé de représentants avisés dans la société. Parce qu'il y a deux niveaux, il y a les élites, nous pas capables de faire une opération importante comme ça sans élite. Pour la première mobilisation, ce n'est pas seulement faire un texte. Il faut que le monde qui joue un gens, même s'il n'est pas d'accord avec Jovenel Moïse. Pour dire Jovenel Moïse, déjà, il vient à la sortie. J'ai géré la fin de son mandat. Il n'y a pas qu'à candidat tout de suite encore. Il n'y a pas qu'à arrêter un jour en plus après les mandats à finir. Oui, mais pas qu'à venir candidat tout de suite là, nous connaissons le détail. C'est lié avec l'opposition pour organiser l'élection. Capable faire pas scout. Bon, et pourquoi faire pas scout là? Il y a un paquet de bagailles qui passent dans le monde qui montrent l'élection pas faite comme ça encore. En République dominicaine, il y a un gouvernement qui fait élection, il perd l'élection. En Bolivie, là, nous autres prenons un exemple. Là. Et il y a Evo Morales, coup d'État, il est tombé, mais parti là, tourné sous pouvoir. Aux États-Unis, Donald Trump, bagaille tout puissant, etc. Même si il n'y a pas de clair net, mais au senti opposition, hein, semblait le bras le gain. Mais l'autre garde, Evans Paul, ou pas, le président, comme quand il prend un changement de constitution, il met sous d'autres pour qu'on parle, même avec l'élection, par contre, il y a un consensus qui est fait au niveau de société. Hein. C'est vrai que grand pile acteur qui reconnaît la nécessité pour t'aider à passer, mais qui fait dans la constitution, qui a une bonne pointe à lui, changer dans la constitution. Hein. Mais pour le président, pratiquement, il y a un consensus. Quel est son arbitrage là? C'est le même problème, non? Un président,
trop pressé. Il est trop pressé, il peut te faire trop bonheur. C'est-à-dire que le carité, et puis quitter l'autre monde, débroussailler, bah, là, et bah, comme ça, quitter. Parce que il y a l'autre monde qui a une position, président. Il y a un côté me rencontrer, il y a un côté me pas rencontrer. Mabdou, pas aucun homme politique ici dans le pays d'Haïti, cadre de constitution, qui n'a pas gagné là-dedans, qui mérite d'échanger. Comprenons toute partie pour quoi Laval, quoi l'OPL, quoi la fusion, quoi. Tout le monde d'accord. Nous d'accord, il y a qui pour corriger, mais nous ne pouvons pas mettre d'accord sur qui j'ai pour nous. Et tout le monde connaît tout. Dans le mécanisme constitution pour amender là, ou pas qu'à résoudre le problème. Mais là, peut-être là, un gros professeur, professeur Sonné Jean-François, maître Sonné Jean-François, lui-même, il va pas changer la constitution, non? Il dit que la constitution 87 ans, nous pas, jamais appliquer. Il dit que la constitution 87 ans, il n'y a aucun problème là, c'est nous pas, jamais mettre dans la situation pour nous appliquer. Ce n'est pas lui-même, et pas texte à problème, non? C'est haïtien qui problème, non? Mettre son neige, François. Nous pas des solutions. Non, son cas important dans le pays. Il y a, s'il dit un bagage, il faut prendre très au sérieux. Mais son monde qui écrit en pile, qui écrit bien, d'ailleurs, il faut une mémoire pour dire non, comment vous nous appliquer, pour nous arriver et surmonter toute difficulté. Parce que. Je pose la question. Il y a des bagages économiques là-dedans. Son application coûte en pile comme. Est-ce que, Evans Paul, vous estimez opposition raté timing? Qui était favorable avec lui maintenant pour le défaire Jovenel Moïse aller avant 7 février 2022 D'une part. Parce que. D'une part, ça veut dire oui Oui, d'une part, vous avez fait l'aller avant 7 février, c'est son premier bagage. Vous avez gâché en pile dans la bouche du tout. Parce que, qui s'est passé? Son dynamique démocratique. Parce que l'opposition, il y a des fois, il gaspille force. Il y a une mobilisation. Et puis, par contre, toute mobilisation est temporaire. Parce que le peuple a une limite. Li. Mon nous dit, marché aujourd'hui, demain, décide de disposer camper, d'autant plus que y a une capacité pour résister, problème économique, etc. Et puis, peuple n'a pas de patience. Tout. Ou dit, le fait ça, et puis, il a dit, un mois, deux mois, il n'y a pas de marché. Ce n'est pas seulement en Haïti, regarde ce qui passe au Venezuela, avec Juan Guaido. Le monde entier dit, appuyez, monsieur, comme président. Bon, Maduro résiste, ça qui passe. Vous avez parlé de monsieur encore? Parce que tu as des mauvais choix qui t'es fait. Même au niveau international, tu as surestimé ça, M. Kaffer. Tandis que, si peut-être, il n'a pas dit, il reconnaît M. comme président, il a demandé pour élection refaite pour M. candidat, il n'a pas son autre gens. Il faut réaliser dans le combat. Si, par exemple, vous dites, bon, nous avons besoin de un conseil électoral que tout le monde respecte pour nous garantir une élection. Bon, nous voulons l'élection anticipée, mais si ça, nous voulons négocier avec le président Jovenel Moïse. C'est pour une question de. Comme ça, vous dites, il n'a pas dit, vous voulez transition pour Jovenel Moïse aller? Parce que ça a demandé. Et ça a demandé. Transition, ils sont des controversés. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. La transition, c'est un mot. Son mot, je l'ai dit. Parce que ce n'est pas le monde qui fait transition. Transition, c'est programme. Premier gouvernement de transition que tu as gagné, c'était l'administration de Jean-Bertrand Aristide en 1986. D'abord, c'était doué le président Maniga, ça passait mal, qui était doué faire transition de la dictature vers la démocratie. C'est de ça qu'on a parlé. Et maintenant, qu'on bande bagaille que nous avons, on a parlé de transition, il faut nous définir sa transition. Parce que c'est un mot, si on va mettre non là-dedans, qui fait un gouvernement élu capable de faire transition. Or, le plus facile pour mettre un gouvernement qui a légitimité, ou t'as dit, ou à faire élection anticipée, opposition font grande coalition qui dit bon nous allons faire transition. Transition, je l'ai dit, n'a pas fait une constitution qui répond à des idérata, à capable de dire culture, à tout ça qui a fait pays à marcher plus bien. Nous allons adopter une politique économique qui permet de nous faire croissance. Nous allons gagner un système d'éducation qui est plus fonctionnel. Parce que je dis, Robinson. Gros paquet de jeunes, ils fait toute étude classique. Yo. Bon, il y a quelqu'un qui a même une licence dans la main, mais ils n'ont pas représenté grand-chose. Mais ce n'est pas eux responsables. Ce sont gros problèmes. Moi, il y a des gens qui sont dans l'université d'État ici hein, depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui n'ont pas une licence. Ils ont dans la rue, en manifestation, etc. Mais ils ont gaspillé l'énergie, ils ont gaspillé le temps, ils ont gaspillé
Nous pas capable de dire yeah. existence. Yo. Mm. Qui fait nous ne sommes pas capables de gaspiller tant nous gaspiller donc, ressources nous comme ça. Donc, est-ce que vous estimez que, avant nous aborder la question élection américaine rapidement, parce que Lumière rejoint l'État demain, est-ce que vous estimez dans le moment ça-là, opposition pas fait poids pour le forcer Jovenel Moïse à aller 7 février 2021 ou avant, Jovenel Moïse a fini faire mandat jusqu'à 7 février 2022 ? Opposition a affaibli. Il a affaibli, tout pour nous constater, il a affaibli. Mais maintenant qu'on y a, affaiblissant, elle dit le mourir. L'obligé de réviser stratégie li, pour le gagner une proposition n'ta capable dire qui est accrochante. On bagaille li dit pour peuple là reconnaître li là-dedans. Je pense que il est obligé de réviser. Donc, si on pas réviser, il a passé à côté, il a toujours dit yo vle. Elle a à la manière du gouvernement qu'a fait tweet, qu'a dit dénoncer et puis ses paroles vont. Peut-être que dans le moment où on a parlé là, Evans Paul et Biden capable de remporter Pennsylvanie et puis le final avec ça, nous ne connaissons pas. Mais l'opposition a compté, selon calcul politique, compté sur l'élection Biden pour l'administration américaine a changé politique par rapport avec Haïti, pour le suspendre par Jovenel Moïse et Supola Bailala. Et Jovenel Moïse compté sur l'élection et renouvellement mandat Trump pour que les Américains continuent la même politique ça par rapport avec la supporter. Comment est-ce que schéma ça? Haïti paraît tout important ça. Vous avez parlé à un professeur matin. Oui, Awol Joseph Pierre. Awol Joseph Pierre, me félicite, monsieur. Haïti paraît tout important ça dans le gouvernement américain. En comme si M. Biden, président, c'est d'Haïti va l'occuper avant. Il y a un problème. D'ailleurs, il fait déclaration contre Corée du Nord. Il dit voyou, il faut l'obliger et respecter parole ça pour le connaître. Comment on va le démarquer de ligne Trump? Il y a un problème américain avec l'Iran. Il y a un problème avec la Chine. Il y a tout problème interne, coronavirus, M. Dil pour gérer les bagailles là. Hein, c'est de Haïti, M. Biden pour le président, c'est dossier Haïti. C'est l'ambassade américaine qui a toujours dicté ça pour faire là. On s'en est dit, mais qui positionne de gagner avant, hein, ou pensez que Biden pour le venir désavouer ça, M. Trump a fait. C'est monde qui pas suivre politique américaine là, depuis 30, 40 ans qui pensait comme ça. C'est pas Haïti. Ça, Haïti représente dans la balance là, pour M. Biden. T'es arrivé, puis le premier dossier qui soumis, c'est Haïti. Perte de temps sur mon pensée comme ça. Moi, d'accord. Du point de vue de la politique interne des Américains, gros engagement, M. Biden prend sur mon TPS, nous. Et nous connaissons que si vous voyez mon tourner, là, il y a un impact négatif sur nous, sur l'économie, nous, sur bon, l'autre oui. aspect. C'est juste sur l'aspect ça, d'accord. Mais l'autre aspect, mon pensée, Biden prend le quimbe, M. Jovenel Moïse, nos oreilles pour dire quitter le pouvoir, ben, moi, c'est perte de temps. Même gens, en pile monde te pensé, républicain te traditionnellement supporté un dictature en Haïti, t'as supporté Duvalier. Sous qui président dictature a tombé? C'était sous Reagan, républicain. Là pour tomber ou tomber, c'est pour camper ou après camper. Il y a un autre bagaille qui yo prend décision qui n'a aucun rapport avec Haïti d'abord. Il est toujours lié avec la perception. Moi-même, moi pensais que faut monde pas mettre espoir sous ça. Parler entre nous, chercher solution yo. Ben yo même y a tant de nouvelles solutions entre nous, puis nous même y a tant de solutions pour nous. Quand ces bagages, mon cerveau est sous deux aujourd'hui, ou grand Amérique divisée, ou deux Amériques, grand Amérique profond, qui ont pas qu'être blanc, suprémaciste, raciste tout. Oui, bien sûr. Par rapport à mouvement Live Black Matter, ou grand bon problème interne, violence, etc. qui gagne États-Unis. Donc, il y a un problème qui est géré, c'est pas Haïti. Maintenant, tête, c'est un petit pays d'Haïti qui n'est pas représentant rien, qui n'est pas pour le pétrole vendre. C'est de ça, M. Biden, pour l'occuper, mais M. Trump, pour l'occuper en premier. Perte de temps si on pense comme ça. Mais, en fait, c'est là. Je pense que c'est un élément capable d'expliquer. Nous avons plus espoir si c'est Biden qui est élu. Monsieur le Premier ministre, n'a fini. Il y a 2 ans de cela, où tu es chita là, ensemble avec moi, où tu as parlé. De Jovenel Moïse, où tu es estimé que le paquet contrôle en pratiquement dans le pays et que le pays son pays comme Dadou qui a effondré. 2 ans après, comment est le pays? Jusqu'à présent, il n'y a pas un contrôle. C'est parce que le pays a un contrôle qui fait que le pays a passé comme ça. Mais pas un contrôle là. Nous n'avons pas la responsabilité à Soudol seulement. Non? C'est l'absence des institutions. Hein? Ouais, ça a passé les États-Unis, pas l'empile déclaration. Vous avez contribué pour le topier et se retrouver? Moi, je parle de questions et comportement par rapport à l'arbitrage. Je suis toujours campé même côté. Hein? Aux États-Unis, il y a un bon monde qui a parlé de bon bagage, un bon de détails monde pas connaît. Est-ce qu'il y a un pile monde qui connaît? On va le bon gros chiffre là. Il y a 1226 candidats à la présidence. Tout le monde connaît 2 candidats parce que le système dans Jean Lier pour faire un spot passé dans la radio dans CNN. 100 millions de dollars à coûter.
Ou gen droit candidat, candidat ou gen moun ki candidat à la présidence en quartier Brooklyn nan. Au moins gon candidat pour nous connait qui vient en Haïti, nous candidat qui visiter nous, qui est West, qui candidat. Yo di vole élection. Gen nous gen 1000 pas nous gen, gagne 1226 candidats. Oui, qui déclaré mais c'est environ une dizaine qui gagne faut. Oui, parce que gon bonne mécanisme faut inscrire dans tout état etc. Et puis problème qui a passé dans contradiction dans politique américaine, il commence depuis 28 ans. Depuis l'été gagné élection Clinton en face Bush, où tu as monsieur que les Waspero, et il y a le third party, qui est ton troisième parti. Monsieur, ça a été fait 18%, c'est là, ça a été contre ton troisième candidat. Il changeait votre là. Bah, la porte confine dégradé net, non. Parce que je me songeais, monsieur Waspero fêtait des fêtes en dansant. Là, monsieur a pas annoncé le perdu, et puis monsieur a montré ça dans la danse. Parce que ça qui passe dans la démocratie américaine, non? Il y a des pouvoirs au bas du monde. Là, monsieur Trump dit, pas pour reconnaître l'élection, mais traditionnellement, fort monde qui perdu a d'accord le perdu. N'a pas regardé en 2016, c'est jusqu'à 2h du matin, oui, Biden Clinton d'accord pour l'élection, pour le dire, sous insistance Obama. Qui fait, il y a des lois usuelles, il y a des bagailles, ses comportements, ce n'est pas la loi qui dit pour faire les. Moun qui perdu, a pas d'accord perdu, et puis ça a créé un impasse. En 2000 tout, puis c'est go, pas d'accord perdu tout de suite. Nous, on est obligé de faire appel à deux anciens secrétaires d'État, et Warren Christopher, et John Baker, qui font médiation, chaque sorti non parti. Mais il y a une ressource, il y a une cour suprême. C'est ça nous manque en Haïti. Là, il y a un problème, la gare est nette, nous n'avons pas de recours. Et nous avons besoin de recours pour nous faire société avancer. Donc, toujours est-il, même si Jovenel Moïse n'a fait mandat, il n'a toujours pas à côté de l'aller avec le pays. Bon, moi-même, pas de dire à côté de l'aller. Ce qui est clair, nous avons fait un mandat. Ça, il a fait le faire déjà. Ça, il a fait le faire déjà. Il a fait un mandat, je dis. Ça, il a fait le faire déjà, c'est fini. Je dis, nous ne sommes pas capables d'attaquer Jovenel Moïse, qui est déjà une sorte de passé. Au contraire, c'est ouais pour nous, qui ça nous a fait, pour s'il a fait des gars, pour ne pas faire plus de dégâts. Parce qu'en général, s'il fait des gars, dégâts ou pas pour lui, dans l'histoire, il a passé comme président d'Haïti déjà. Clair. Héritage du poil quitté. Il faut nous faire un peu le papier catastrophique que ça nous gagne déjà. Alors, comme je dis, je ne pas considérer personne gagne mauvaise foi. Je pense que nous faisons de mauvais choix. Et aussi, va la président Jovenel Moïse. Au lieu de vilipender des gens, nous voit qui nous a tiré qui bien bon M. Jovenel Moïse, bon côté opposition. En nous chita parler, en nous négocier. Suspendre, nous avons dit là, et. Retirer tête non pour nous dire nous pas là-dedans en nous engager nous même c'est ça moi conseiller tout le monde qui est en opposition négociation c'est pour une faute c'est qui sort va le négocier c'est qui j'en va le négocier monsieur le premier ministre merci beaucoup c'est un plaisir Evans Paul c'est le premier ministre qui est ensemble avec nous à soir merci parce que tu as suivi cette capsule restez ensemble avec nous et n'a pas un autre là pour l'autre sortie bonsoir Merci frère. Bon massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunettes là pour protéger yeux. Merci bien. Moi-même, Eric Jean-Baptiste, on va laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de gars. Et mes coquilles veillent quand. Les amis changent la vie, mais on dit de temps en temps. Contre corona, je protège la bouche, je protège la nez et mettre les lunettes papa pour ne pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipo Fondation Éric Jean-Baptiste.